Donc, nous avons vu donc dans la première partie comment créer une servlette. En fait, dans une architecture J2E sans framework, on trouve trois parties essentielles. Les humains, contrôleurs, qu'on a déjà fait, les servlettes. Les vues, ce que sont les pages GSP. D'accord? Donc, la couche vue, elle est constituée des pages GSP. Donc, nous allons voir dans cette partie donc, comment créer une page GSP avec Eclipse. Pour faire ceci, donc, nous passons donc à la partie numéro 3, création d'une page GSP. Donc, les pages GSP sont des technologies Java qui permettent de générer des pages web dynamiques. D'accord? Les GSP permettent d'introduire du code Java. Donc, on a vu que dans une servlette, on trouve du code HTML. Dans une page GSP, c'est une page HTML qui peut introduire du code Java, comme vous avez vu en PHP. Vous créez une page HTML, vous introduisez du code PHP. D'accord? Donc, les servlettes sont des classes Java dans lesquelles on génère du code HTML et les GSP donc forment une page HTML dans laquelle on écrit du code Java. D'accord? Dans une application J2E, on utilise donc les servlettes qui jouent le rôle du contrôleur et les GSP donc qui jouent le rôle de la vue. Pour créer donc une page GSP, on fait comme ça. Dans le dossier webcont donc du notre projet, on fait. Dans le dossier donc webcont de notre projet, donc on fait donc créer une new GSP file. Donc on revient à Eclipse. Donc, le dossier WebCount, je corrige ici, dans le dossier WebCount, New GSP File. D'accord? On fait GSP File. Donc, on va faire un petit exemple pour voir comment on introduit du code de Java dans une page à la base HTML. Donc, on va l'appeler exemple 1.gsp. Donc, l'extension, c'est .gsp. D'accord? Next et finish. D'accord? Donc, il s'agit du HTML, du head, du body. Donc, il s'agit bien du code HTML. Donc, on va voir comment on introduit du code Java dans une page HTML à l'aide de la technologie GSP. Par exemple, on va faire ce code-là. Donc, body, on va mettre et bonjour, il est new. Java, donc new java.util.date. C'est du code Java. Qu'est-ce qu'il permet d'afficher? La date et l'heure maintenant. D'accord? Donc, on va copier ce code-là. On va le mettre dans body. Enregistrer. Donc, voilà. Donc, si on va cliquer sur notre. On clique donc à l'URL localhost TP1 J2E exercice 1.gsp. Et voilà, il nous a écrit bonjour, il est donc le 28 février 2020, d'accord? 10h47 minutes. D'accord? C'est clair? Donc, le deuxième exemple aussi il illustre comment on affiche une boucle, par exemple, dans un code, une boucle for dans un code. Comment on introduit un code Java dans une page HTML en utilisant la boucle for. For i de 1 à 3, vous allez afficher bonjour tout le monde. Donc, on met le code Java entre pourcentage. D'accord? Si vous voulez insérer du code Java dans le code, dans une page HTML en utilisant la technologie GSP, donc vous le mettez entre pourcentages. D'accord? Ben, revenons maintenant à notre exemple. Donc, dans WebContent, on va créer
Donc, on va créer la page vue.gsp. Donc, la page dans Web Content New, GSP File, vue.gsp. D'accord? Pourquoi on l'a appelée vue? Parce qu'elle représente donc la partie vue dans l'architecture MVC. D'accord? Next, Finish. Donc, on a créé la page vue.gsp. Maintenant, donc, la page vue.gsp, elle contient le code suivant. Qu'est-ce qu'elle contient? Donc, le code Java qu'on va insérer, string nom est égal request.getParameterNom. Et puis, elle va afficher name, le nom qu'on a mis. Donc, elle va, ça, c'est l'affichage. Donc, c'est du balise HTML. Ça, c'est du code Java. L'attribut, c'est l'attribut nom. D'accord? Donc, elle met entre pourcents. Pourcents égal. D'accord? Hein? On fait copier-coller de ce code-là. On l'insère dans notre body. On enregistre. Donc, request.getParameter, c'est lire la requête et avoir donc son paramètre. Request.getParameter nom. Donc, le paramètre, il s'appelle nom. Donc, quand on met dans l'URL request.getParameter, quand on met dans l'URL, on doit préciser le paramètre nom. D'accord? Donc, si je reviens à ma page, donc, je suis sur localhost 8081, TPJ 2E. Donc, je vais faire vue.gsp. Donc, name égale à nul. Pourquoi c'est nul? Parce qu'on n'a pas précisé donc le paramètre nom. Donc, si je fais comme ça, nom égale Manel, donc elle va afficher nom égale Manel. D'accord? Voilà, donc on a créé, donc on a vu comment on crée des pages GSP en utilisant.